sale petit cafard. Vous reviendrez quand votre père sera rentré du travail. Il est encore bourré. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. On va être trempés si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. On n'a jamais tué personne un peu de pluie. Allez, viens, on va jouer. T'es même pas capable de me suivre. Je te parie, t'es même pas cap. Si c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. N'importe quoi. Tu vas voir si c'est trop dur pour moi. Attends-moi. Tu n'as qu'à te manier.
commande du saut de la mort. Le gamin n'a jamais trouvé d'aide. Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie. Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu ? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Il faut que je rentre, maintenant. Je crois qu'un orage se prépare. Quelle histoire horrible! John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère. Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis? Venez, retournons à la voiture. John Shepard. Paco Mendes,
Le type à qui le doc a prêté l'appartement, Ethan devait se trancher le doigt. Un type pas recommandable, à ce qu'on m'a dit. Il faut que je le trouve pour lui poser quelques questions. Si ce Paco est un copain du doc, je ferai bien me méfier. Tout va bien se passer. Je trouve ce type, je lui pose 3 questions et je décampe d'ici. Le bar arrive. Il pourra me dire... Je cherche Paco. Paco Mendez. Quoi ? Paco Mendez. Vous connaissez ? Un peu. C'est mon patron. Il est là-bas, dans le carré VIP. Ok. Merci. Peut-être qu'en dansant pas loin de lui, je pourrais attirer son attention.
Maintenant que je suis déguisée en bimbo, il ne me reste plus qu'à danser langoureusement pour mon Paco et attendre qu'il me voie. Je rentre, je lui fais cracher le morceau et je me tire vite fait avant qu'il ameute ses gardes. Tout va bien se passer. Bien. Sois la bienvenue dans mon petit royaume. File-moi ça. Crois-moi. On n'aura pas besoin, ma jolie. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, dessine-toi. Enlève tout ça, bébé. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. Voilà tout. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. Crois plutôt que c'est toi qui as mal compris, chérie. J'aime pas perdre mon temps. Alors maintenant, une fois poil où je te refroidis. Tu m'as bien compris? Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Je crois que j'ai trouvé. Que je faisais de l'effet. Mais pas à ce point-là. Bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe.
Ah! Si t'essaies de crier, je te descends. Pigé? Merde. Qu'est-ce que tu me veux? Tu loues un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah! Espèce de salope, je vais te crever! T'as pas le cran de me coller une bastos. Dommage, parce que quand je t'aurai retrouvé, moi j'hésiterai pas. Paco, est-ce que tu vas bien? Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. J'ai jamais foutu les pieds dans cette porte! J'ai filé les clés à un type! Il cherchait un endroit! Il avait de quoi payer! Comment il s'appelle, ce type? Je sais plus, je le jure! Shepard! Il s'appelle John Shepard, c'est tout ce que je sais, je le jure! Oh. Eh ben voilà, c'était pas si difficile. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi, mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. Il est temps que je dégage d'ici. Je commence à avoir un sérieux mal de crâne. Il réfléchira à deux fois avant de refaire monter une fille dans son bureau.
parle pas au poulet. Écoute-moi bien, connard. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Est-ce que Paco connaît ces types? Oui ou non? John. Je les ai appelés John. Tout ce que je sais, vous le connaissez bien. Décidément, j'arrête pas de dérouiller en ce moment. On tue un suspect, on essaie de me supprimer. J'espère que ça veut dire que je suis sur la bonne piste. Tiens, tiens. On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur. Madison Page, une journaliste, intéressant. Des phéromones d'orchidées. L'homme était bien le tueur aux origamis. Calibre 45. Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint. Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique. La poche du tueur que j'ai déchirée pendant qu'on s'est battu. Deux reçus de la même station-service. Intéressant. Une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Thank you.
je suis dans une impasse. Tout ça ne m'a mené à rien. Je commence à trembler et à avoir des sueurs froides. Il vaut mieux que je me dépêche de retourner à l'hôtel. Il faisait sombre et tout est allé très vite. J'ai pas eu le temps de voir son visage.